Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc notre deuxième match, c'est le bon Vibrassi contre la très bonne Kitty. Ça va être un match sympathique aussi à voir, je pense. Right, I've got to show you guys. I'm in Pro League. Demande envoyée, je vais vérifier s'ils sont... Bonjour, ça va ? Bonjour. Ça va et vous ? On est là, hein ? Ça bouge pas ? Est-ce que vous êtes prêts ? Vas-y, hein. Ok. C'est parti. C'est parti. GLHF, les gens. Bonne chance, Kitty. Bonne chance, gros. Et bon cast. Allez, c'est parti. On change de scène, bien sûr. Pouf, pouf, pouf. Vibrassi contre Kitty. Bon, elle va ban H, elle me l'a dit. Bah, je ban H, les gars. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, que j'allais ban H. Voilà. Insertion in 10 seconds. Ok. Location of biohazard container unknown. Clear to engage. Ah, il est sur toi, là. The biohazard container has been located. Il est escamé maintenant. Maintenant il est dans la bedroom, je crois. Pour le moment, dans ce duel, le haut, le pré-shot, qui a bien failli partir directement au niveau du site. On cherche pour les deux joueurs. Une minute. Et la tête, c'est la tête qui connecte pas. Vibrassi qui a pris une petite balle de son côté. Vibrassi qui récupère la tête de Kitty. 1-0. Gros, j'ai l'impression que je lui mets des têtes. Ah, il a perdu 40 HP, c'est tout. Vibra qui prend donc le site de la chambre d'enfant. J'ai l'impression que tous les joueurs préfèrent se mettre en haut qu'en bas. Pourquoi tu veux autant stresser? Il y a 1000 euros en jeu. Plein d'amis qui me regardent. Mes parents. Je suis stressé, ouais. Oh ouais, on peut. Il met des IDS et tout. Il met force aux IDS. Si, est-ce qu'elle va monter direct? Et 1000 euros, sauvons le monde. What? J'ai bien lu. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la tour. Pour les 1000 euros de dons à UNICEF. C'est monstrueux. Et Vibrassi qui va détruire le deuxième drone de Kitty. Donc Kitty n'a plus d'outils d'observation, il n'y a plus que le capteur pour aller détruire les ADS. Attention, Vibrassi là qui voit la fenêtre. Et Kitty a pris quelques balles et on va lui mettre la pression depuis le workshop. Et on passe sur un handicap de niveau 2 pour Vibrassi. Ok, level 2. Pas le droit aux gadgets de toutes sortes. Pas de renfort, pas de barbelé, pas de gadgets opératoires. Ok. Ah mais il a même plus le droit au drone. Il a plus le droit au drone, donc il a plus le droit de me droner là. Ça, ça va être chaud en vrai. Op 4 has failed to find the biohazard container. Fais du bruit, fais du bruit. Ah ouais, il a regardé à travers mon trou, ce bâtard. Laim n'était pas présent. Malheureusement, sur ce coup-là, on ne peut pas utiliser de grenade pour déloger. Et là, que faire? Que faire? De l'autre côté, on peut envoyer tout ça. On ouvre même des lignes pour...
pour essayer de semer le trouble dans la tête de Vibrassi. Et Vibrassi qui va quand même récupérer Kitty. 3-0. Et là, on est donc sur un no rifle, pistol automatique SMG ou shotgun only. Ok, là, juste péter mon son drone en fait. Là, mon but, ça doit être de péter son drone. Je vais péter le maximum de drone qu'il y a là. Spectateur, mais vous êtes des fous. Ah, j'ai pété son drone. Ok. Op 4 has failed to find the biohazard container. Ok, elle spawn là-bas. Et si le coup de pistolet part, et on va agresser vers l'extérieur, on va agresser vers l'extérieur, et on va agresser vers l'extérieur. Vibra qui récupère Kitty, on n'avait pas l'information qu'il se trouvait juste devant. 4-0. J'aurais dû atteindre le bait. Pistolet en attaque, c'est vraiment des pistolet en attaque. Oh là 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 là. Allez, c'est parti, Vibrassi, pistolet point rouge only, il va falloir être solide. Pour aller chercher donc 5 balles de match peut-être. Et s'il réussit à gagner ce round, eh bien tout simplement c'est un round de couteau qui l'attend. Kitty qui reste sur les appuis. Pour Kitty, on ne sait pas encore où ce joueur se trouve. Oh là on l'a vu, et là on sait que le duel s'annonce, il y a les balles qui partent d'un côté mais malheureusement ça ne connecte toujours pas sur la tête de Vibrassi. Et il lui reste plus que 40 balles, 40 petites balles pour venir à bout de Kitty, sinon il faudra y aller au pistolet, au couteau pardon, et Kitty voilà, qui remporte son premier round. On repasse sur un handicap de niveau 3 pour Vibrassi. Vous avez vu ce qu'on a sorti du côté de Kitty? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. On a sorti le Jackal. Est-ce que j'ai pété son drone? Je crois pas. Quel gros bâtard. Et Vibrassi, il a pris des balles. Il a pris des balles et maintenant il va attendre. Il va attendre alors qu'on est en train de tenter le pré-shot du côté de Kitty. Ça part pas, il est derrière le conteneur. On voit la tête et Vibrassi qui va chercher ses balles de match. 5-1 pour Vibrassi qui va repasser donc en pistol only. Vibra peut reprendre un pistol auto. Eh non, il y a 5-1, il est sur un handicap de niveau 4. Pistol semi-automatique only. Pas de SMG, pas de shotgun, pas de C75 et pas de shield, surtout. Allez, c'est parti. Vibrassi pour aller chercher la victoire, donc, contre une Kitty qui trouve pas de solution pour le moment. Il est pas sur la tour, il est juste... Alors qu'on est en train de monter de l'escalier du côté de Vibra. Et là, ça bouge pas. Hein. Ah, les duels sont intenses. On sait qu'il est en bas. On a droit à l'auto pour Kitty. On a le droit qu'au pistol pour Vibrassi. Et ça monte. Et ça monte. Et le duel, il s'annonce. Le duel, il arrive. On prend des balles de chaque côté. Le pistol qui va continuer à détonner. On n'a pas le droit de switcher du côté de Vibrassi. Qui va reprendre une petite balle. Non. Oh, il est laissé à 30 HP. Il va quand même réussir à clutch. Vibrassi remporte le match. 6-1. Et ben voilà. C'est le GG.